J'étais venu aussi prêcher la paix, le pardon et le rassemblement. Car il y a une chose qui est certaine, sans paix, il peut y avoir de développement. Et pour nous, le développement, c'est l'amélioration du quotidien de chaque Ivoirien. Et maintenant, nous avons fait des progrès substantiels sur le chemin de la paix, de la sécurité. Oui, la Côte d'Ivoire a une situation sécuritaire maintenant normalisée. Les attaques et les vols et autres sont au niveau, en tout cas d'Abidjan, même de Boaké, et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, sont malheureusement équivalents à ce qui se trouve dans des villes comparables. Mais cela ne nous satisfait pas. Nous voulons aller plus loin pour assurer à chaque Ivoirien sa tranquillité. Donc je suis venu vous dire que nous continuons ce travail de sécurisation du pays. Nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix parce que le pays est au travail.